chienne de... Au coin de la rue, quelque chose a bougé. Sûrement encore des monstres. Le feu éternel remplisse mon cœur. Le cimetière, du travail à revendre pour un sorceleur. Nous donnons nos vies à l'ordre. Notre force guérira le monde. Siegfried m'a parlé de vous. Souhaiteriez-vous rejoindre l'ordre ? Ça ne m'était pas vraiment venu à l'esprit. Je suis ici pour l'annonce. Vous apportez la preuve de la mort de Dinoyer ? Non, pas encore. Revenez quand vous aurez leur langue. Souhaiteriez-vous rejoindre l'ordre ? Eh bien... Attendez, laissez-moi vous exposer quelques détails. D'accord. Primo, l'ordre a été créé pour servir les plus humbles. Secondo, tout le monde peut le rejoindre. Paysans, nobles ou sorceleurs. Tertio, les chevaliers jouissent de nombreux privilèges. J'en ai assez entendu. Quarto, les chevaliers de l'ordre traquent les monstres. Alors, qu'en pensez-vous ? Non, merci. Il faut que je m'occupe de ces imbéciles. Elle est bonne.
Ici, c'est notre territoire. Dégarpez. Mais ça pue dans le coin. Les couilles qui grattent. Personne ne m'aide, Rado. Pourquoi tant de chagrin? Mon mari me hante. Qu'est-ce que je peux faire? Il vous hante? Dans votre chambre? Feu, mon mari me hante. Intéressant. Il faut m'en dire plus. Mon mari nous a quittés il y a un mois. Et depuis, il hante ma maison et gémit toute la nuit. Mais le pire... Je vous écoute. Le pire, c'est qu'il vole autour du cimetière à minuit en criant des horreurs sur moi. Les mauvaises langues s'agitent déjà. Calmez-le, je vous en prie. Ça vous coûtera 200 orins en cas de succès. Oh, c'est une sacrée somme. Vous profitez de la misère d'autrui. Très bien. Je paierai. Je me suis occupé de votre mari. Vous avez une preuve. Vous n'avez rien demandé de tel. Je veux mon or. Vous privez une veuve de sa maigre pitance. Du calme. Ne craignez-vous pas d'être vue en compagnie d'un sorceleur? Soyez maudit. Prenez votre or et dégarpissez. Ce sera quoi? Pain ou chêne? Une crypte? Voyons voir. 5 brasses de large. De quoi parlez-vous? Pourquoi vous venez voir un fossoyeur? Je répète, qui je dois enterrer? Ne vous inquiétez pas, mes prix sont raisonnables. Je ne suis pas là pour ça. On n'est jamais assez prévoyant. Bon, alors... C'est pourquoi? Vous pourriez me confier le corps du prisonnier pour une autopsie? Pour une bonne bouteille d'alcool nain. Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous plaisantez? Vous plaisantez? Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous plaisantez? Partez! Partez! Partez!
Monsieur... Je peux regarder? Bien entendu. C'est bien. Qu'est-ce qui vous amène ? Je veux vous parler de la salamandre. Pourquoi ? L'argent de la caution du professeur venait de votre banque. Je me sens insulté par cette calomnie. Mais... Des générations de Vivaldi ont bâti cette banque ! Et vous suggérez que notre or sert des fins criminelles ? Dehors ! Je vous crois. Et par ressentiment, vous avez opté pour une carrière criminelle. Vous m'offensez, sorceleur. Vraiment? Je ne m'abaisserai pas à une telle infamie! Sortez d'ici! Je ne vous crois pas. Je n'ai que de forts soupçons pour l'instant. C'est donc un verdict d'innocence temporaire. Vous avez pu oublier vos préjugés raciaux et observer la situation telle qu'elle est. Quand vous aurez débusqué le coupable, dites-le-moi. Je veux savoir qui c'est. Cet endroit est dépourvu de la beauté dont mon peuple aime sa voix. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Le chasseur nocturne fait une nouvelle victime. Que savez-vous sur ce chasseur? Les gens doivent s'enfermer à double tour. Une étrange bête traque les humains, et les noyeurs sortent du fleuve. C'est à quel sujet? Les sages nains sont une espèce rare. On voit peu de sorceleurs, mais je ne les dévisage pas. Vous voulez voir mes livres ?